bien sa hauteur Sacturaghi semble avoir des ressources. Elle est en troisième position avec son jockey Guillaume Martin qui patiente encore. Sa terre de Morges est très sollicitée. On revient ensuite avec Twist des Caillons et Bobby Derpay qui tente d'enclencher. Il est parmi nos bonnets, non? Il y a Bobby Derpay, il n'a pas encore. Le tournoi final est en train de décoder de Torre Crépin qui est en deuxième position. Sa terre de Morges est là également avec Sacturaghi qui va tenter de se décaler. Avec Rissu Derpay qui a pris le meilleur là. Pour un apprenti, oui, surtout pour la famille Abrivard et Baudin, parce que c'était notre cousin trop tôt disparu, donc Mathieu l'a gagné, je l'ai gagné ensuite. Non, c'est vrai que quand on voit toute la famille émue autour de nous pour la photo, ça reste un grand moment de notre jeune carrière. Gagner, oui, forcément, c'est une surprise. Maintenant, je pensais que mon cheval allait bien courir. Il a quand même prouvé par le passé qu'il avait été classique, second du président. Donc ça faisait 13 mois qu'il n'avait pas couru. C'était l'occasion que j'avais aujourd'hui, avec un petit poids, le cheval est brave. Et puis il faut quand même reconnaître que je ne connaissais pas sa cavalière. Et que Nathalie Henry m'a très bien conseillé. Oui, moi, franchement, je ne la connaissais pas beaucoup. Je connaissais son nom sur les programmes, bien sûr. Mais elle n'est pas de notre région, donc je ne connaissais pas cette fille-là. Et franchement, elle a mené une super course aujourd'hui. Il a fréquenté ? Oui, bien sûr. Ça va être quoi la suite de son programme Conquest ? Ben écoutez, aujourd'hui, je pense qu'il y avait lui et les autres. Donc on va aller sur le Cornulier. Hein, bien sûr, Mathieu Abrivard, qui montait avant, est venu me voir aux balances et on en a discuté un petit peu. Et pour l'instant, il n'a pas de monde, donc c'est lui qui sera associé. Ça pourrait être une belle surprise aussi dans le Cornulier ? Ouais, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer non plus. Hein. Le cheval va faire sa course, il est gentil, il fait tout ce qu'il peut. Il va faire sa course. Maintenant, la belle surprise, c'est déjà une victoire d'être au départ. Bon, déjà, on savoure cette victoire. Bien sûr, tout à fait. Une surprise parce que je m'attendais plus à une place. Ouais. Et puis, parcours, j'ai eu un bon parcours, bien mis dès le début. Et puis, pour finir, il a bien fini, quoi. C'est ce qui fait la différence, le parcours aujourd'hui? Ouais, j'ai eu un bon parcours et puis il y a aussi Ruby et Derpet, c'était il était archi fort. C'était pas un bata, mais bon, c'était très bien au début. Puis il y a aussi Rapide qui était bien, mais il est parti au galop, je crois. Et puis il y en avait d'autres, mais vu ce que le mien avait fait par l'an passé et les autres années, c'était quand même une bonne chance quand même. Que tu t'es mis un petit peu la pression dans cette course? Ouais, je ne me mets pas trop la pression en général. Oui, j'y ai cru, mais t'es un petit peu en tête trop tôt. Si je relâche toujours un petit peu quand il est tout seul devant, mais il a fait une super course, quoi. Est-ce que vous avez des regrets finalement? Ah non, aucun regret, non. Non, j'ai pas de regrets. Non, on aurait signé tout de suite pour la seconde place, mais non, il courserait bien. Pour vous, il est à sa place, battu par meilleur? Ah bah oui, battu par un cheval qui est déféré et puis qui est venu lancer sur lui, quoi. Non, le cheval a. Ni le jockey, on n'a rien à lui reprocher non plus, quoi. Oui, on est agréablement surpris. La jument était très bien. Au Quinter, je l'ai fait galoper un petit peu, comme à ses habitudes. Et j'ai trouvé la jument très décontractée. Donc j'ai préféré prendre mes aises en dehors. Tout s'est très bien passé. Ensuite, dans les tribunes, j'ai vu que Torre Crépin se rapprochait bien. Donc j'ai voulu profiter de son dos. Il n'a pas été trop vite. Donc c'était vraiment la belle course. Ah ouais, je suis vraiment content de la jument. Elle me plaît beaucoup, cette jument. Bon, plutôt bien, parce que dans le parcours, elle était bien. Elle n'a pas tiré, comparé à d'habitude. Après, j'ai pas eu trop d'ennuis de trafic, non, tout s'est bien passé. Elle a sa place, je pense. À la base, on était favoris et j'aurais pensé que je serais venu dans le dernier tournant et il m'a laissé là, un peu là, à milieu droite. C'était un jour sans, on va dire? Oui, on va dire que c'est un jour sans. Ouais. Le parcours pour toi, il a été là? Bon parcours, mais le cheval était pas. Le cheval avait l'air moins bien. Quoi. Bah, déçu, oui, on est obligé parce que quand on prend la montée, quand on a plein les bras, on se dit on va aller au bout, on n'était pas attaqué, on n'était que 14. Je me suis dit, notre affaire, ça va faire, mais non, déçu, dans les tournants, il s'était éteint.